Quelques heures avant Barack Obama, c'est Joe Biden, le vice-président des États-Unis, qui le premier a prêté serment ce dimanche. I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Il a juré de défendre la Constitution, la main posée sur la Bible lors de ce second mandat, devant Sonia Sotomayor, la première femme hispanique juge de la Cour suprême. La cérémonie a eu lieu en présence d'un cercle restreint de proches et de journalistes. So help me God. Congratulations. Thank you. La Constitution américaine stipule en effet que le mandat de chaque nouveau président doit débuter le 20 janvier suivant l'élection. Dans le cas présent, le 20 janvier tombant un dimanche, la prestation de serment a donc lieu en petit comité avant les grandes festivités et le discours d'investiture de Barack Obama prévu ce lundi. Merci.